Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Repère des Motards. Vous ne me connaissez pas, c'est le premier essai que je fais pour le Repère. Je m'appelle Loïc. Bienvenue en Italie. Nous sommes dans la banlieue de Rome et nous allons essayer la toute nouvelle Guzzi V7. Cette Guzzi V7, qu'est-ce qui change par rapport à la précédente génération ? Plein de choses. Tout d'abord le moteur qui est directement repris sur la V85 TT. Donc ça veut dire que l'ancienne génération était à 750 cm3, là on passe à 850 cm3. Et ça veut dire aussi qu'il y a un énorme gain en puissance et en couple. La nouvelle V7 donc gagne 13 chevaux et 13 Nm de couple, ce qui veut dire que désormais elle produit 65 chevaux et 73 Nm de couple. Esthétiquement aussi, il y a pas mal de choses qui changent. Guzzi a voulu différencier les deux versions de sa V7, vous avez la Stone qui est à ma gauche et la Spéciale qui est à ma droite. Esthétiquement, les versions se différencient d'abord par l'optique. La Spéciale a une optique classique alors que la Stone a un éclairage qui est 100% LED avec la signature typique de la marque qui a déjà été inaugurée sur la V85. Et la Spéciale également, parmi les différences, vous avez un double compteur analogique alors que sur la Stone, il y a un compteur qui est entièrement digital. Il y a des jantes à rayons sur la Spéciale, des jantes à bâtons sur la Stone, un traitement totalement mat pour une, du chrome un peu partout pour la Spéciale qui se rapproche de la déclinaison la plus classique, on va dire. Et enfin, sur la Spéciale, il y a un accessoire en plus, une poignée passager qui peut servir aussi à attacher des bagages chromés. La V7 reprend aussi la transmission de la V85 ainsi que la boîte de vitesse et le cardan. Ça veut dire qu'il y a un gros gain en rigidité torsionnelle et pour rajouter à tout ça, Guzzi a également retravaillé le châssis de la V7. C'est-à-dire qu'il gagne 10% en rigidité torsionnelle. Il y a des renforts qui ont été rajoutés au niveau de la colonne de direction et de l'ancrage entre l'arrière du châssis et le bas du moteur. Autre différence technique notable, la roue arrière passe de 130 à 150 de largeur et Guzzi nous assure avoir retravaillé la machine pour offrir plus de stabilité et également plus de confort. Au niveau des points d'ancrage de la suspension arrière, ils ont été déplacés. Ça a permis d'installer des amortisseurs plus longs et le débattement de suspension passerait de 90 à 180 mm de débattement. Enfin, dernier point technique, Guzzi a également amélioré l'électronique. La machine s'est désormais dotée d'un capteur de pression, ce qui permet d'offrir une meilleure modulation du freinage et donc de permettre à l'ABS de travailler dans des conditions beaucoup plus larges et d'être donc plus efficace. Voilà. On se retrouve tout de suite pour notre essai en condition au guidon. Bon, le nouveau moteur rajoute 10 kg supplémentaires au poids de l'ensemble. C'est sensible dans les manœuvres à basse vitesse, moteur coupé, mais la plupart du temps, ça n'a absolument rien de gênant. Et comme la moto a changé de monte pneumatique et qu'elle est plus stable, du coup on la trouve quelquefois un peu plus lourde de direction dans les enchaînements rapides. C'est anecdotique, sans être réellement gênant, mais voilà, un peu plus de poids, un guidon un peu plus éloigné. Tout ça, c'est au bénéfice de la stabilité. La précédente génération de Guzzi était, on va dire, plus adaptée aux 110, 120. Ça a commencé à bouger un petit peu. On manquait un peu de débattement de suspension à l'arrière. Et les amortisseurs pouvaient se montrer quelquefois assez secs dans leur réaction. Tout ça a été bien amélioré. Ça n'a pas totalement disparu, mais ça a été bien amélioré. Le gain en confort est sensible sur les amortisseurs arrière. On a gagné en douceur, on a gagné en débattement. L'accord entre l'avant et l'arrière est bien meilleur que sur la précédente génération aussi. Et donc globalement, on se retrouve avec un châssis qui est quand même plus homogène, plus agréable, un poil plus physique peut-être. Globalement, les prestations sont un cran au-dessus. Après, il faut aussi que je vous parle de la pièce de résistance, c'est le moteur. Donc grosso modo, c'est le même moteur que sur la V85, le trail de la marque, sauf qu'il y a un poil moins de puissance, un poil moins de couple, mais on va dire que le caractère moteur est identique. Après, par rapport à la 750 cm3, le caractère moteur est pas radicalement différent, mais ça a changé. Sur la précédente V7, le moteur donnait le meilleur de lui-même à bas et moyen régime. Sur ce modèle-là,
on a tout transféré un peu plus en haut du contour. Donc le moteur est souple et il y a 80% du couple maxi qui est disponible aux alentours de 3500 tours. Donc c'est rond, c'est agréable, c'est élastique, relativement souple. On peut évoluer à 2000-2500 tours sur les trois premiers rapports sans avoir de vibrations parasites qui viennent vous secouer. Mais comme le moteur a gagné en puissance et en couple, au fait, il est maintenant plus agréable à mi-régime et surtout à haut régime. Ce qui est assez surprenant pour un twin refroidi par air de cette cylindrée. On commence vraiment à profiter de la totalité du couple aux alentours de 4000 tours et on peut tirer jusqu'à l'entrée de la zone rouge aux alentours de 6500 tours, 6800 tours même, sans que le twin donne des signes de fatigue. Ce qui fait qu'au final on se retrouve avec une plage d'utilisation étonnamment large. Naturellement dans les évolutions urbaines on va se caler sur des régimes de 2500, 3500 tours. Et dès que le profil de la route va s'ouvrir un tout petit peu, on va pouvoir exploiter le moteur jusqu'à l'entame de la zone rouge. Globalement, c'est une machine qui est pas sportive bien évidemment, mais qui a le mérite d'être homogène. Il n'y a pas de réel gros point noir, à part peut-être les freins qui peuvent sembler un poil sous-dimensionnés quand on commence à tartiner un petit peu sur route viroleuse. On aimerait bien avoir soit un plus grand disque, soit même un deuxième disque de temps en temps, parce que le niveau de performance a quand même fait un petit bond en avant. Autre point positif à souligner, la boîte de vitesse. La précédente était un peu dure, on avait du mal à trouver le point mort, les débattements étaient un peu longs. C'est beaucoup mieux aujourd'hui. Bah, tout ça participe à faire de cette V7 850 cm3 une machine beaucoup plus homogène que l'était la précédente. Après, l'électronique un peu plus raffinée, le bloc 850 qui de toute façon est plus moderne que le précédent, fait que il a un peu perdu en caractère. La précédente était un peu rugueuse. Elle avait une courbe de couple et de puissance qui était peut-être un peu plus chaotique, qui faisait que voilà, il y avait des moments où on appréciait vraiment le caractère de la 750 cm3 sans forcément rouler très très vite. Là, le caractère est un peu plus lissé, mais on dira que c'est au bénéfice de la polyvalence. Le confort a été amélioré sur quelques points de détail. Sur la version spéciale sur laquelle je suis, la portion passager de la selle a gagné 10 mm en épaisseur. Et pour le pilote, on a droit désormais à des repose-pieds qui sont montés sur saline block, alors qu'avant ils étaient montés rigides. On a toujours des vibrations qui vous remontent dans l'arrière-train via la selle, mais c'est vrai que sur mon trajet, le bénéfice de ne plus avoir de vibrations à l'air postier, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. J'étais déjà un fan de la V7 750. En toute sincérité, sur les premiers kilomètres, j'étais un peu déçu parce que le caractère était un peu plus lissé, ce que je disais tout à l'heure. Et puis au fil des kilomètres, on se laisse gagner partout, par la plus grande stabilité, par le confort amélioré, la douceur de l'embrayage, la boîte qui est mieux. En fait, globalement, tout est mieux. Sans pour autant que ça coûte beaucoup plus cher en passant d'une génération à l'autre. Guzzi fait payer un peu plus cher sa spéciale que le modèle Saône, qui, il est vrai, n'a absolument aucun bout de chrome, ni sur son châssis, ni sur ses roues, ni nulle part. Ça permet de faire quelques économies. Et l'avantage, c'est qu'on peut choisir entre deux machines aux personnalités très très différentes.
Que dire en résumé de cet essai, de cette nouvelle V7? Bah, ma foi, je trouve qu'elle a énormément gagné en homogénéité, elle a énormément gagné en performance, elle a gagné en confort, elle a gagné en stabilité, elle a gagné un peu partout, en fait, dans tous les domaines. Petit bémol, elle a légèrement perdu en caractère. L'ancienne génération, bien que moins puissante et moins coupleuse, était un peu plus rugueuse, avait un peu plus de personnalité, on va dire, mais c'est sans doute le seul point négatif que je trouverais à reprocher à cette nouvelle génération. Petit conseil pour ceux qui voudraient exploiter ses performances à 100%, le freinage avoue assez rapidement ses limites si on adopte une conduite sportive à rythme soutenu. Voilà. Sinon, dernier point, le prix. La V7 en Stone est vendue à 9 199 € et la spéciale que vous avez devant vous est vendue à 9 599 €. C'est un peu plus que les tarifs de la précédente génération, mais au final, je dirais que ça les vaut. En conclusion, cette quatrième génération de V7 arrive pile pour fêter le 100e anniversaire de la marque. C'est une excellente remise à niveau. Et la V7 était de toute façon déjà un incontournable dans le paysage moto, et avec cette quatrième génération, je pense qu'elle est encore là pour rester sur le marché pendant de nombreuses années. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir plus de détails, allez faire un tour sur notre site internet, lerepairedesmotards.com. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain essai.